Bon, eh bien, départ du shelter où j'ai dormi cette nuit, mais il a fait plus froid que les autres nuits, hein, cette nuit. Oula, la température était à 7-8 degrés, c'était pas chaud, hein. Bon, après avoir bu un café, je vais m'arrêter un petit peu en bord de mer, sur la plage. Voilà, j'y arrive. Nickel. Allez, je vais faire une pause ici sur la plage, très bien. Ah ben, il y a des bancs là, moi je vais aller sur le banc. Bon, et bien voilà le petit banc où je vais m'installer là, pendant quelques minutes, pour faire une petite pause. Mais c'est pas mal, hein. En face de moi, là-bas, au loin, il y a Cogé, où je suis parti ce matin. Enfin, à côté de Cogé, je suis parti. Et puis de l'autre côté, là-bas, je pense que ça doit être les... qu'on aperçoit au loin, ça doit être Copenhague. Allez, et ben voilà, j'ai fait ma pause et à tout à l'heure. Bon, il y a toujours de superbes voies vertes, voies cyclables. Vraiment, c'est super. Nous sommes en sécurité hein, sur ces au Danemark là. Bien voilà, je suis dans Copenhague. C'est sympa de traverser Copenhague comme ça. Il y a des petits jardins là. Sur ma gauche. Vraiment sympa. Souhaitons que ça dure. C'est chouette. Hein? Bon, tout est fait pour le cycliste hein, ici. Super, d'ailleurs, j'en croise pas mal hein, sur cette voie-là. Je suis dans le centre de Copenhague. Là, je vais essayer de rejoindre l'auberge de jeunesse de Copenhague, voir s'ils ont des lits libres pour cette nuit et peut-être pour deux jours parce que j'ai envie de rester là demain pour visiter. Ça serait sympa. Donc voilà. Je suis dans le centre.
centre de Copenhague. C'est chouette. Je ne m'attendais pas à ça, entre des petits immeubles, mais ça va. Affolant, c'est le nombre de vélos, hein, de cyclistes et tout. Je regarde de tous les côtés, là, de stationnaires, il y en a partout. Les gens travaillent beaucoup, hein. On travaille beaucoup avec leur vélo ici. Hein. Et cette rue, elle est vraiment sympa. Avec ces immeubles, et c'est typé, hein, c'est joli. Cyclistes, on a plein. C'est vraiment la ville pour idéale pour le vélo. Hein. C'est super cette petite balade dans Copenhague. Une vie paisible. Hein. À l'intérieur, c'est chouette, hein? Voilà. Alors, je vais dormir dans le lit numéro 5, voici, dans ce dortoir de l'auberge des jeunes de Copenhague, qui est pas mal d'ailleurs. Hein? Là, voici la douche, hop, qui est pas mal non plus, finalement, hein? C'est bien, c'est correct.